mais la Loire était trop haute, ça arrachait les filets barrages, et du coup, c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais donc c'est vrai que oui, en ce moment, c'est assez aléatoire, malheureusement. Alors, dans la verrine, vous avez, c'est une mousse de tomates, en fait, avec une autre tomate aux petits légumes. Au centre, vous avez un biscuit avec une terrine de caille à la pistache et une tartelette ad hoc, œuf de caille poché et une petite crème au piment d'Espelette. Eh bien, nous allons vous mettre en condition avec un fondant de foie gras, une mousseline de navet et des petites girolles à l'huile de noix. Bon appétit. Bon appétit. Bonjour, si vous voulez. Vous voulez filmer le rouget, c'est ça? Voilà. Bah écoutez, on y va alors, c'est parti. Vous me dites où je me mets, où je gênerai. Écoutez, là où vous allez avoir le moins chaud, à mon avis, ici vous avez la table chaude, là vous avez la salle à manger. Alors, si ça vous réorte ici, vous avez la ventilation. Non, mais voilà, je vais mettre là. C'est parti. Je vous gêne le moins, ça. Des filets de rouget juste poêlés, accompagnés donc d'une poêlée de girolles de Sologne, artichauts poivrades et une tomate confite au beurre d'aromates. Très bonne continuation. C'est très déjeuné. Donc ici vous avez les fromages de vache, les fromages de chèvre, vous avez du petit trou, vous avez du Pont-l'Évêque, du Livarot, ici du Roblochon,
également un camembert traditionnel. Si vous êtes amateur de fromage puissant, j'ai la boulette d'avenne et les poisses. Avec du caractère, j'ai un petit manois affiné à la liqueur de noix, le langre de champagne, du murol très doux qui vient d'Auvergne, et là, ici la comtesse de Vichy. Et en pâte dure, vous allez retrouver un comté en 18 mois, deux l'emmental et une tome de brebis. Et en ce qui concerne les chefs, vous avez donc les fromages locaux, aussi bien les AOC comme le Sainte-Maure de Touraine, le Puligny Saint-Pierre et le Valencé, les crottins de Chavignol, et ces trois-ci n'ont pas d'appellation en fait, ce sont des fromages locaux. Ils sont tous faits à la ferme de la Cabinette à Onzain. Voilà, donc on va associer le chocolat et le café, donc un petit crumble café, mousseline chocolat. À nouveau, le crumble au café est associé mousseline café, glace vanille. Et dans le verre, on va débuter avec un sirop à l'anis, un expresso et crème chocolat. Donc, vous avez la tartelette aux fruits rouges, à côté un chou façon Paris-Brest, et puis une petite tarte tatin accompagnée de billes de pommes légèrement colorées à la manzana. Pour madame et monsieur, donc les cerises juste pochées avec une coque chocolatée et un sorbet noyau de cerise et crème d'amande. Et pour monsieur, donc le soufflé au baies de cassis avec un sorbet à la faisselle de riant. Bonne gourmandise! Voilà, donc en fait, vous avez des chocolats noirs, des orangettes et des calissons au citron. Dans la boîte.